الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. من بين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة. Comme toujours, pour faire hamd de Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui mérite toute gloire. Vous commencez par faire le rappel que Allah subhanahu wa ta'ala a le contrôle de toutes choses. Vous commencez par faire le rappel que Allah subhanahu wa ta'ala se volonté primer le tout ce qui fait passer le dunya et ailleurs. Et envoyer la paix et bénédiction et salutation en abondance, avec une sincérité, avec un qui appuie le meilleur, celui qui peut faire nos intercessions. Le meilleur, celui qui a une rahma pour nous, l'adunya. Le meilleur, celui qui ce message pour celui qui suit ce message pour aller à l'Jannah. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour amplifier. Pour grandir l'amour qui nous est pour nous, Habib sallallahu alayhi wa sallam, pour faire nous vivre le dunya avec une patience, avec l'espoir sincère qu'un jour nous pourrons retourner nous et nous pourrons retrouver nous-mêmes avec Sayyiduna wa Habibuna wa Shafi'una Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhal ladhina amanu. Ô ben celui qui n'a iman, Allah subhanahu wa ta'ala fait adresse à nous, ittaqullah, inna la crainte, inna la frayeur, inna muhabbat pour Allah, obéir Allah subhanahu wa ta'ala, obéir Allah, ittaqullah, haqqa tuqatil, de la façon qu'il mérite pour être obéi, de la façon qu'il mérite pour être suivi, de la façon qu'il mérite pour être adoré. وَلَا تَكُونَنَّ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et pas mot excepté comme un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous qui compte en lui, obéit à lui. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous qui la meilleure façon pour qu'il nous reste en sécurité tout au long de la vie. Meilleure sécurité pour un musulman, c'est l'Iman. Meilleure sécurité, c'est l'Iman. Parce que celui qui meurt avec l'Iman, il peut mourir avec
Inch'Allah, le bougain al-Jannah. Plus grande sécurité, pas la plus grande sécurité qu'il y a. Et meilleure sécurité pour l'Iman. Je dis l'Iman, c'est en lui-même une sécurité. Meilleure sécurité pour sécure, pour protéger nos Iman, c'est qui devant nous, nous avons Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Devant nous avons meilleur modèle. Meilleur modèle pour suivre sa parole, sa bonne action, la façon qu'il fait réagir avec ce bon compagnon, la façon qu'il fait réagir avec l'adversité, avec ce bon ennemi, tout cela c'est une source de guidance si nous suivons à la lettre. Aveuglement, nous pouvons faire ensemble avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, dans un moment que nous vivons aujourd'hui, c'est une société, et non pas que aussi locale, en général, à côté du monde peut aller, le plus fort, le mange plus faible. Dans l'époque que nous étions, pour montrer où faut, c'est une caractéristique qui pour bénéficier vous, pour bénéficier avec vous. Et pour être respecté. Des fois, quand on a une position d'autorité, par exemple, pour un directeur, par exemple, pour un ministre, ou un premier ministre, ou d'autres, on a un niveau d'autorité, à ce moment-là, on peut se même la question de quelle façon on a besoin d'agir. Est-ce qu'il m'a besoin de montrer mon sujet? Qui s'en abosse, qui s'en applique fort. L'époque longtemps, mon professeur, partout, certaines de mes professeurs étaient une tactique quand je fais grand dans l'école. Je fais grand dans la classe, je choisis un élève, à random, par hasard. Et je servais avec ces élèves, là, avec une intention que je servais avec un élève, tous mes élèves qui viennent après, pour suivre. Il existe. C'est une méthodologie qui peut-être sur outcome, il y a un outcome, mais l'approche pour choisir n'importe qui s'en a pour montrer nos autorités afin qu'ils les aient contrôlés, être sous contrôle, c'est ça, ça c'est pas l'islam. Et c'est ça le sujet de mon khutba aujourd'hui. Il y a un thème, un concept de l'islam, un rifq. Un rifq. En anglais, nous traduisons « arif » par « kindness ». En français, c'est « douceur ». Arif, kindness. Et mon sujet aujourd'hui, il pourrait un peu vous développer ce concept-là, Inch'Allah Ta'ala, avec vous. C'est quoi « kindness » et comment Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Oui, vous pouvez utiliser certaines riwayat de Sayyida Aïcha radiallahu ta'ala anha, premièrement parce qu'elle était jeune, très courageuse, et elle tient un caractère très très fort. Rasoul sallallahu alayhi, avant qu'il me rentre sa riwaya là, nous devons prendre en considération qu'Adin al-Islam n'est pas restreint, n'est pas contenu ou bien n'est pas appliqué seulement pour un groupe de personnes. Quand on la religion judaïste, c'est un groupe de personnes, c'est un groupe qui appartient à une bonne personne de même couleur peut-être, de même race, qui est capable de dire qu'ils sont juifs. À l'islam, oh que ça, pour l'islam n'est pas pareil. À l'islam, pas de couleur, à l'islam, pas de race, à l'islam, pas de corse, castis, à l'islam, pas de si on a beaucoup d'argent ou bien peu. Comme le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ce Hajjatul Wada, il fait dire, peine indifférence entre un arabe et un non-arabe, entre un blanc et un noir. Le message est clair, à l'islam est universel. Aujourd'hui, alhamdoulilah, l'islam qui est émané depuis Hijaz, aujourd'hui l'Arabie Saoudite, aujourd'hui il est dans plusieurs places dans le monde. Différentes nations, différentes cultures, différentes langues,
différentes nourritures. Mais tu es connecté avec un seul principe, connecté avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Sayyida Aisha, Inna Allah, certainement Allah, rafiqun. Indeed, Allah is kind, clément. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقَ Et il récompense celui qui est en douceur. مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعَنْفِ Et Allah par récompense celui qui jure, harsh. Abu Darda, radiyallahu ta'ala, dit من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير celui qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une guide sur les quais pour un comportement de douceur Allah fait une guide pour recevoir une partie de la bonté qui Allah fait descendre à donner celui qui jure, qui hâche Pour sa personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser. Une fois, Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha était dans la compagnie de ce bien-aimé époux, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un groupe de personnes sont venues. Et quand ils sont venus, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous fait l'appellation Assalamu alaikum, que la paix soit sur toi, Ya Rasulallah, ce groupe de personnes-là finit répondre, finit dire Assalamu alaikum. Assam, c'est l'épée. Nous traduisons par l'épée, ou bien plus nous donner une signification plus spécifique, l'amour soit sur toi, Muhammad. A'udhu billah. Quand Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha finit, entendre ça, à quoi ça m'en dit Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha était jeune, elle tient un caractère très très fort, elle est très courageuse. Quand elle finit tant sa groupe de personnes là, elle finit de dire ça, alors c'est pour ne pas finir rester tranquille. Elle finit répondre Wa alaykum al-la'na. Quand elle finit répondre, ben, sa groupe de personnes là, elle finit de dire Assalamu alaykum ya Muhammad. Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha fin répond Assalamu alaykum wa alaykum al-la'na wassam et l'ozot l'ana et l'ozot l'amour quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin tansa Ya Rasulallah awa lam tasma'u ma qalu Ya Rasulallah est-ce que vous pas fin entendre parler ce qui va n'a pas dire est-ce que vous pas fin tansa de causer que je fin dialogue رسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم لكن وعليك الرفق يا عائشة oui يا عائشة mais lui à toi pour démontrer la douceur c'est ça l'islam et moi je finis répondre juste quand je finis répondre moi السلام عليكم même juste répondre juste وعليكم et l'autre aussi et l'autre aussi أثقل شيء في ميزان. Ce qui peut peser plus lourd le ميزان le jour de l'Al-Qiyama pour un mu'min. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق. Quelque chose qui peut peser plus lourd pour nous, un mu'min le jour de l'Al-Qiyama, c'est un bon caractère. حسن الخلق. وإن الله لا يبغض الفاحش البذي الله سبحانه وتعالى certainement il déteste celui qui se la bouche et n'a juste ban jour juste ban vulgarité juste ban mot grossier nous dit enseignons pour être douce الله سبحانه وتعالى dit dans le Coran à propos de l'histoire de Sayyiduna موسى وسيدنا هارون وفرعون
Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai le Coran qu'il peut adresser avec Moussa alayhi salam et Haroun, il peut dire فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Il peut dire à Sayyiduna Moussa et Haroun alayhi salam, c'est moi, Rabb, le très haut. C'est moi, Rabb, le très haut. Islam, avant qu'il me continue sa partie-là, l'islam finit enseignant être douce dans n'importe quelle situation. Mais ça ne veut pas dire être docile. Être douce dans une société est considérée comme un signe de faiblesse. Quand on trouve un démon douce, on trouve un démon facile, on gagne l'impression que sa personne-là c'est un démon faible. Donc l'islam, c'est un signe de l'honneur, un act of honor pour être douce, tout pareillement comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, l'islam enseigne nous, si un djimoun fait une transgresse ou droit en tant qu'insan, en tant que mu'min, ou pas gagner droit, reste tranquille. Le mu'min qawi, khayr min mu'min da'if. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit le croyant fort, le meilleur auprès de Allah, le plus agréé auprès de Allah qui est un mu'min faible, bien que les deux, le meilleur. Bien que les deux, mu'min da'if et mu'min qawi, les deux auprès de Allah, vous êtes corrects. En termes de daraja, le mu'min qawi, le plus fort, ad-din al-islam, enseigne-nous aux musulmans, toi qui es une adjinité, un kikem, déshonore-toi, tu as besoin, réclame ton haq. Mais dans quelle façon l'Ola nous est posée. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin. Pharaon peut dire à Sayyidina Moussa, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Au Moussa, c'est moi, Rabb, le très puissant, le très haut. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin. Mais donne-nous l'exemple depuis nos créateurs, Al-Khaliq, celui qui fait une révèle Al-Qur'an. En face, il y a Pharaon qui peut proclamer qu'il est même l'Europe. Après, il y a l'Europe lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, tu es capable de l'autre à Sayyidina Moussa ou Haroun. Allez à l'anguille. Parce que Pharaon peut transgresser la loi de la nature, qui est un créateur suprême. Et ce n'est pas lui le créateur suprême. Mais qui, Islam, fait enseigner, qui Allah fait enseigner à travers ça dans le Coran. Fakoula, dans notre verset du Coran, Fakoula lahu qawla layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ô Moussa, alvia Pharaon, et cause avec lui, avec douceur, avec gentillesse. Pas être dur avec Pharaon, cause avec lui, avec douceur, avec gentillesse. Afin que ça vienne un rappel pour lui, ou bien il vienne un warning pour la personne. Imam Baghawi rapportait que Yahya, Imam Baghawi rapportait que quand ça vient ce Coran, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى, fin être révélé. فَبَكَى, il fin pleurer. Il fait pleurer pourquoi? Ya ilahi, oh mon Rabb, hada rifquka biman yakul ana ila ana Allah. Imam Baghawi fait pleurer parce qu'il peut dire ya Allah, c'est comme ça même qui te veut montrer ta douceur envers celui qui peut dire qu'il lui-même qui Rabb. Mais qu'en est-il pour celui qui dit que toi c'est toi Rabb? Qui a dit tes douceurs te pour montrer? Moi, répète-le. Pharaon peut dire, et Allah peut mentionner dans le Coran, Ana Rabbukum al-A'la. Il peut claim, il peut faire une déclaration qui c'est lui-même, c'est Rabb al-A'la, le très haut.
Dans le Coran, Allah répond à ça. Et il peut dire, c'est une moussa. Quand tu as que ça, il y a le fait d'arroi. C'est bien une approche douce avec la personne. Pharaon, comprends. Essaye d'illustrer ça dans l'esprit. Pharaon, Allah peut dire à Moussa, alayhi salam, approche avec lui avec douceur. Et Imam Baghawi dit, pour celui qui peut transgresser la loi divine, Allah peut dire, approche avec la personne avec douceur. Mais pour sa personne qui suit le pas, pour sa personne qui amène la vie droite, pour l'agrément de Allah. Vous essayez d'imaginer qui a été Rifq, Allah peut être avec vous. Ad-din al-Islam. Ad-din al-Islam. Et nous revenons vers Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous continuons. Ar-Rifq, le sujet c'est Ar-Rifq, douceur, kindness, Ar-Rifq. Et tout le temps nous fait référence à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce message est relevant 400 années après, même 2000, 3000, 4000 après. Il est pour relevant. Qui n'a vu Muhammad pas fin passé? Qui sur la famille pas fin passé? Qui sur mon compagnon pas fin passé? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est du sang béni fin tombé. Les dents bénies fin tomber. Et dans toute sorte de. Je fin essayer d'assassiner Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans différents moments. Quand arrive le moment que Allah subhanahu wa ta'ala fin de l'autre, allez pour aller défendre l'islam. Les lames ont gagné la guerre Badr, les lames ont gagné la guerre Uhud. Là tout commence, allez défendre l'islam. Ben prisonnier. Nous emprisonnons jusqu'à nous gagner un rançon ou d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala révèle un ayat du Coran. Mais je vous sais que le Nabi Karim fin passé. Après un moment donné, le Nabi Karim et son compagnon fin gagner la main haute, l'eau captif, l'eau l'ennemi de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala révèle un ayat du Coran. Fa'in tabu. Ou Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, nous disons à l'islam, c'est ça. Fa'in tabu. Oh Muhammad, si ça m'a captif là, je te répentis. Si ça m'a captif là, ça m'a prisonnier là, je te répentis. Je accepte l'islam. Wa aqamu salah. Wa atu zakat. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ Et je quitte sa chemin qui j'étais été là. إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Certainement je retrouve dans cette robe celui qui peut pardonner. Certainement je retrouve dans cette robe celui qui finit pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire le pardon lui applique pour tout le monde. À celui qui fait une recherche le pardon, lui pour gagner le pardon, s'il y en a la sincérité et s'il y en a l'iman. Et s'il lui fait une détourne lui-même de sa chemin qui peut égaler lui-même. Fa'in tabu. Din al-Islam. Ar-Rifq. Enseigné par Sayyiduna Muhammad. Un autre, un commandement de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une petite chose qui nous a un chemin pour choisir, pour être bon avec celui-là. Pour agir mauvais avec l'autre. Alors là, qui appelle être bon. Un bon djimoun, il ne pas faire différence entre celui qui est bon et celui qui n'est pas bon avec lui. C'est qu'un caractère inné, il agit tout pareillement avec la personne, pas parce qu'il y a envie que djimoun connaît, ça c'est un super bon djimoun. Non, le succès ultime vient depuis Rabbul Alamin, ou vient bon. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou vient bon parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui pour récompense. Et ce récompense est très énorme, il dépasse la compréhension. Et il y a paix, c'est le guerre. Il retire sa douleur qui est dans le guerre. Sa dureté qui nous fait passer de la dunya, il retire tout cela. Nous connaissons l'histoire de Hind.
la femme de Abu Sufyan. Abu Sufyan, c'était un parmi les chefs Quraysh qui était en guerre avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après Fathul Makkah, la conquête de Makkah, les filles convertissent, les filles prennent Bay'a dans l'armée bien-aimée Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un purpose spécifique quand il est dans l'époque djihad. C'est entraîne un esclave nuit et jour pour l'assassin, chacha bien-aimé de Sayyidina Muhammad, Hamza, ibn Abi Talib. Hamza, ibn Abi Talib, il finit réussi à l'assassin Sayyidina Hamza. Pas juste ça, quand il finit, il finit prendre ce cheval, fin aller avec ce bon compagnon autour de lui, final mort sur l'écho de Amir Hamza, radiallahu ta'ala. Coupe sur la tête, mette-le un pic, fait les tours et scandale sa porte. Pas seulement ça, prend ce les fois. Mange les fois. Fathul Makkah. Islam vini. Islam vient avec le message de la paix. L'islam vient avec le message de la réconciliation à travers, sous la bannière de Al-Haqq. Il vient avec l'espoir pour prendre Bay'a de la main de Sayyidina Muhammad et pour accepter l'islam. Après tout cela, bien aimé, chacha de Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad Rasulullah, accepte ce islam. C'est ça l'enseignement islam. Dans un zamana, Mouri vint le Sakimoshi Djaou au début. Ou montrer où bon, ou montrer où douce, sauf Jimoun qui a pensé ou easy going, ou un Jimoun facile, ou laisse-les, les pas casser la tête. Ou bien il est capable d'un acte de faiblesse. Tout ça à l'époque que chacun a tiré couteau, à couteau tiré avec l'un à l'autre pour n'importe quelle raison de Niaouille. Bakri qui vini avant à l'autre, après pour une élection. Nous pouvons sentir nous-mêmes, nous évoluer par rapport à la situation qu'il y a devant nous et nous avons tendance à bafouer les droits qui dignent et nous nous. C'est l'aime que vous trouvez, ça n'a pour calomnier ce prochain. C'est l'aime que vous trouvez, lutte pour faire vulmer ce prochain pour dire des mensonges. Nous, nous dit que l'islam enseigne-nous être douce. الدوس سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مكتمل لأن الرواية سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بفياجي لو ديزي avec سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة لأن شامو وأن شامل أن مما شامل لا وشامو لا بابلي بوش ديفون سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هذه جن très courageuse très forte qui les fait prendre les fait mettre un peu pression physique là sa شامو لا pour y aller. Mais prêche au physique le Sachamola pour aller Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répond à Sayyidina Aisha alayki ya Aisha al-rifq. Be compassionate ya Aisha. Be compassionate ya Aisha. Car la compassion, quand on a compassion, le kitsur, c'est ce qui peut rapporter de hadith. Allah fait sa kitsur, ça vient plus joli. Quand un djimoun démontre la douceur envers quelque chose, Allah beautify sa question, sa peau. Et ça l'est appliqué pas seulement dans sa période spécifique. Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha et Sayyidina Muhammad, ses époux et épouses, c'est aussi un enseignement pour tout bon époux et épouses. Vous connaissez de quelle façon meilleure pour agir avec nos partenaires, avec la douceur. Nous ne pouvons pas aller plus en détail là parce que nous sommes nous ben hommes et ça va être sur ça nous causer entre nous-mêmes. Nous agir de la façon que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait agir. Vous pouvez dans la vie, en général, ou agir avec douceur pour une vie à haut. Ou agir avec mauvaise intention. Le mal pour une vie à haut. Des fois, il y a un monde pensée, mais qui fait beaucoup de fois, juste, une difficulté à arriver.
Ben, si vous attirez ça va une difficulté là, sans qu'il vous réagisse pas au comportement qui n'est face à ou même avant. Dit dans l'islam, c'est la bannière, ça boyer pour qui nous maxat les achever, nous gagner le jannah. La ville ou la terre, il peut. La ville est compliquée, l'eau est devenue, cher frère. Avec toute difficulté, plus nous pouvons arriver à prier, plus ça fait de Dajjal, plus ça fait de sa dunya, de n'importe quelle façon, il opprime la spiritualité de sa musulman-là. À ce moment-là, nous retrouvons nous-mêmes, nous replions nous-mêmes le Adin al-Islam. À ce moment-là, nous retrouvons le soulagement à travers le comportement de Sayyidina Muhammad Rasulullah. Certainement le Rahmat al-Alamin. Rahmat al-Alamin, pas seulement de manière quelque qui dépasse nos compréhensions. Le Rahmat al-Alamin, pour toutes les affaires qui existent et même les grandes affaires. Nous faisons droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Fais-nous une personne qui adopte la douceur dans nous-mêmes. Fais-nous à travers sa douceur qui nous mette l'intention pour adopter que Allah subhanahu wa ta'ala est un muhabbat pour nous. Nous faisons à Allah subhanahu wa ta'ala pour donner guérison aux bandimons qui sont malades. Nous faisons à Allah subhanahu wa ta'ala donner shifa aux bandimons qui sont malades. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Nous faisons à Allah subhanahu wa ta'ala pour renforcer nos iman. Fais-nous respirer l'Iman. Fais-nous respirer et nous, la famille, respirer l'Iman et nous accepter avec l'Iman dans le cœur. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة عنصت والإمام يخطب فقد لعنت. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم
أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها نجاة لنا في الدنيا والآخرة. موضوع خطبتنا اليوم هو الرفق واللين في التعامل. أيها المؤمنون، إن الرفق واللين من الأخلاق الحميدة التي دعانا إليها الإسلام، ولقد أمرنا الله تعالى بالرفق في القرآن الكريم، حيث قال في سورة آل عمران، قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أيها المسلمون، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالاً أعلى في الرفق واللين، وقد ورد في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. أيها الأحبة، إن الرفق ليس ضعفاً أو تهاوناً، بل هو قوة ورحمة تجعلنا نكسب قلوب الآخرين ونحقق مقاصدنا بسلام وهدوء. فعلينا أن نتحلى بهذا الخلق في جميع الأمور حياتنا، في تعاملنا مع الأهل والأصدقاء، ومع الجيران والزملاء، وحتى مع من نخالفهم في الرأي. اللهم اجعلنا من أهل الرفق واللين، واهدنا إلى صراطك المستقيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. وصلي على خلفاء الراشدين المهديين، خصوصاً سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وصلي على أهل بيته، خصوصاً سيدة فاطمة الزهراء البتول، سيدة النساء أهل الجنة، وصلي على سيد شباب أهل الجنة، سيدنا حسن وسيدنا حسين عليهما السلام، وصلي عن بقية الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، اللهم احفظهم، اللهم انصر الإسلام في فلسطين وفي غزة وفي رفح. اللهم أعز الإسلام وأيد الإسلام في كل مكان. اللهم ربنا، اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة،
وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الشيخ أبو الإسلام غوبلي صحبيا غوبلي شيخ صحبيا ونزيكول أبي زيكول أكو بلاس دو جماعة خانا كل كبان فضايا جيكو دي دو سين سين غوبلي من دو مسجد جماعة فيها جماعة خانا أبو إن شاء الله تعالى توسط أبو نماز فرض أو فيها سنة إنه في نماذج جنازة ما يطلع مشي. بارك الله فيكم. استووا واعتذروا واصبروا وانفقوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا ربي كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. آمين. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. آمين. برحمتك يا